Allez, changement de look. Changement de look. Ah oui, bah, je peux passer un niveau avec tout ça. Voilà. Merde. Ouais, je peux passer un niveau. Allez, on va le mettre en technique. Je vais voir si je le mets en technique. Ouais, je gagne un point en mobilité. Ouais, je gagne un point. Ouais, évidemment, ce sera pas beaucoup. Alors, je vais mettre la vigueur à 50 pour avoir un chiffre rond. Et donc là, je rappelle que j'ai 104 heures de jeu, nombre de parties 4. Donc je suis en New Game Plus 3. Donc j'ai fini le jeu plusieurs fois. Et que j'ai tous les quartz. Et que je suis niveau 355 en haut de l'écran. Et que là, je suis en train de m'amuser avec cette arme-là, l'œil du Roboros. C'est une excellente arme qui est vachement stylée. Vachement concept et qui fait des gros dégâts parce que je l'ai combiné avec des amulettes qui marchent très bien et voilà quoi. Voilà. Et là le Deus Ex Machina, donc qui met des mines, enfin des bombes au sol qui explosent à partir d'un certain moment. Et qui fait masse de dégâts aussi, hein, ça fait mal. Hein. Ouais. Ça met du temps. Mais par contre, ça fait mal. Voilà. Et donc là, je suis en train d'essayer de m'amuser avec ça. Parce que je n'avais jamais testé ce bras, le Deus Ex Machina. Et je n'avais... Si, j'avais déjà testé l'Ouroboros, mais vraiment... très brièvement. Et du coup, je me sers de ce début de jeu, qui est évidemment très facile. Pour tester les armes. Hein. Je fais souvent ça dans les Souls, hein, en fait. Hein. Je me sers des... soit des débuts de jeu, ou soit des zones très faciles pour pouvoir tester différentes choses. Donc là, j'active mon affûteuse, j'active la tronçonneuse. Voilà, ça va le tuer, ouais. Ouais, donc quand l'ennemi est stun, c'est... Ouais, il faut vraiment... Tu places 3 mines, là, et c'est bon, quoi. Ça fait le reste du combat. Hein. Et encore, hein, là, j'ai mal joué, parce que... en fait, j'ai pas le réflexe, en fait. J'ai la futeuse. Donc, qui me donne la garde parfaite. Mais malgré ça, je veux quand même chercher à esquiver. Alors que non, voilà, j'ai pas esquivé, c'est bon, je me protège. Ça augmente le stun de l'ennemi. Même si c'est un boss, j'ai pas besoin de... je vais y aller à pied. Parce qu'en fait, je mets la fûteuse, donc qui me garantit la garde parfaite. Donc, dès qu'un ennemi m'attaque, même si c'est une attaque rouge, j'ai la garde parfaite. C'est bon, j'ai juste à me protéger, c'est tout. Pourquoi je cherche à vouloir esquiver, à faire le beau gosse? Ça ne sert à rien. Mais ça, c'est le réflexe. Ça, c'est le réflexe de mes 100 heures de jeu. Tu vois, où à chaque fois je cherchais à esquiver. Bah, lui, je l'anticipe. Ah, merde. Ah, bah, tu vois, ça a tué le chien, putain. Ah, ouais, c'est violent. Putain, c'est violent. Ouais, j'aurais dû me TP, hein, finalement. Voilà, et donc quand j'affûte mon arme. Donc je fais plus de dégâts, et quand ma vie est à fond aussi,
Donc du coup, le tout cumulé avec les amulettes que j'ai mises, ben, ça fait que je fais beaucoup de dégâts là avec cette Ouroboros. Et même les boss là, je trouve que je leur fais bien bien mal. Non, je vais pas me reposer. Tu vois, là il y en a un, hop, j'anticipe. Après c'est vrai que ça met du temps à exploser quand même, mais bon, j'ai envie de dire encore heureux. Parce que quand même, c'est violent. Alors ouais, lui je vais le tuer, pour pas qu'il me gêne. Tu vois l'attaque chargée, tu vois, il met ce double coup là, qui en plus d'être stylé, ça fait mal, ça repousse l'ennemi, ça augmente la stupéfaction. Et quand la tronçonneuse est activée, c'est des dégâts, ça ouais, non, c'est vraiment quelque chose. Alors là je vais mentir. Hein. Ouais, c'est un bébé très mignon. Alors, c'est une marionnette. Hein. Ouais, voilà, elle donne un disque. Là, ça, les disques, hein, je les ai tous eus hein, dans ma run. Je les ai tous eus, les disques. Dans mon New Game Plus 2, j'étais super content. Tous les disques, tous les bras légion à fond, toutes les armes de boss, toutes les amulettes, tous les quartz, c'est bon. Voilà, j'ai... Je règne sur le jeu. Voilà. Ravi. Donc je rappelle, hein, ouais, bah si je l'ai dit, hein, que j'affûte mon arme systématiquement pour faire plus de dégâts. Donc c'est là qu'il donne l'amulette qui fait plus de dégâts aux marionnettes, elle est ici. Donc là, je vais essayer de faire le boss en solo. Bon, ça va pas être facile, évidemment. Mais bon, faut bien que je joue avec mon affûteuse qui garantit la garde parfaite. Donc là, je suis pas dans l'efficacité, hein, donc c'est pour ça que je joue en solo. Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié la chope. Défoncé. Ah ouais, putain, les dégâts. Mmh.
carte sur ça. Pour le style, boum, je le tue avec le Kienza. Super. Alors là, super. Ouais, vas-y, c'est bon, c'est de la frappe atomique. Que ça, c'est un boss qui est pas facile. Ah, mais il me donne quand même du quartz, hein, même si je suis à fond. Évidemment, tu vois, les deux premiers boss du jeu te donnent du quartz, mais pas les deux derniers. C'est... Et malgré la mise à jour, enfin, c'est bête, quoi, vraiment. Hein. C'est très bête, hein. Voilà, les deux premiers boss du jeu te donnent du quartz, mais pas les deux derniers. Bon, bah c'est bien, l'Ouroboros, hein, vraiment, hein, j'avais entrevu hein, cette arme-là, un gros potentiel, et bah, il est confirmé. Même contre les boss, même en solo. Donc je pense que c'est, je peux optimiser. Quand le boss est stun, je peux lui mettre 1, 2 Deus Ex. Et après, je l'exécute. Mais bon, tu me diras, en même temps, ça fait tellement de dégâts dans tous les cas. Quoi. Autant mettre les 3. Donc là, il faut que j'aille ramener le sifflet au petit. Allez, 50 en vigueur, voilà. C'est fait, les 50 en vigueur. Bon, ben c'est bien, hein, c'est bien, je suis satisfait. Là, je pense qu'il faut que je teste, ouais, putain, il faut que je teste lui aussi. Mais d'abord, le festin de givre. Il faut que je teste cette arme-là aussi, putain de merde. C'est pas possible ce jeu-là. Ah, c'est pas possible, là je sens que je vais repartir dans un délire. Dans un délire, un délire. Elle change de costume là. Ouais, pourquoi pas. Allez, on enlève le chapeau, on garde les lunettes. Dans un délire, je vais partir dans un délire. Donc lui, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre des attaques successives, on va mettre la tutelle bleue. Ah oui, bah oui, lui son scaling c'est quoi lui? Et c'est mobilité, il a B en mobilité. Ok, donc on va garder ça alors. Non, mobilité c'est la force, je suis un fou. Donc on va mettre ça, hein. La mobilité hein, pour faire plus de dégâts, voilà.
Ouais, ça apporte des dégâts. Vas-y, on va voir. On va voir. Parce que là, pour le coup, je l'ai jamais testé. Je l'ai prise une fois. J'ai dû la tester. J'ai dû la tester en training là. En tout cas, l'œil d'Ouroboros, c'est complètement validé. Elle est complètement validée cette arme-là, évidemment. Sans surprise. Ouais, c'est une arme lente. C'est vrai que j'en avais un petit peu marre des armes lentes. Mais voilà. Elle se dérobe. Par contre, ouais, la longe, elle va loin et elle fait mal. Hein. Évidemment. Alors, il est où le bébé? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Alors, c'est pas. Ouais, il est là, non? Par là. Ouais, oula, ça fait mal. Hein. Putain, elle fait mal. Hein. Et ça qui est bien, c'est qu'elle se dérobe au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et je crois en fait, je crois que ça influe sur la durabilité de l'arme. Je crois qu'elle ne se détruit pas. Ouais, faudrait que je la reteste. Alors, tiens, c'est marrant. Là, quand je prends le chemin à l'envers, je suis un petit peu plus perdu. Grosse attaque là comme ça. C'est l'attaque chargée. Merde. Ah ben heureusement que j'étais dans l'animation. Hein. Putain, les dégâts qu'il m'a fait le salaud. Et là, il faut utiliser le sifflet. Voilà, ouais, il donne un fragment d'ergot. Alors lui, c'était quoi sa particularité? C'était... Non, c'était tac-tac. Donc une lame d'épée et cristal d'ergot fabriquée par un alchimiste. La lame non traitée s'ébrèche après chaque choc, mais elle se stabilise ensuite avant de se restaurer comme si elle remontait le temps. D'accord, ok. Le cristal qui ne cessait de se détacher de l'épée malgré les efforts des alchimistes finit par être miraculeusement restauré, comme s'il avait attendu son heure. Ouais, donc en gros, il faut taper pour que l'épée se dérobe, et une fois qu'elle est dérobée, elle fait plus de dégâts. En fait, c'est ça. Plus elle se dérobe, plus elle fait de dégâts. Mais c'est une arme lente, donc c'est bien, mais là j'avais envie de changer de mon gros gourdin et utiliser des armes un peu plus rapides. Donc je pense que je vais opter pour celui-là, le mensonge en or. Voilà, qui a un bâton qui est vachement stylé. Donc voilà, en tout cas je m'arrête là pour cette vidéo. Et là le boss là, je l'ai battu sans problème, alors que j'appréhendais un peu avec la combinaison Ouroboros et Deus Ex Machina, mais ça s'est bien passé. Je vais continuer à utiliser le Deus Ex Machina. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurai vraiment testé tous les bras légion. Et voilà quoi. Allez, je m'arrête là.